Catherine Alphonse Saint, pour son courage, sa sagesse et sa persévérance comme membre de l'Église et femme du grand prédicateur, feu frère Georges Marc. Est-il écrit? Amen. Et maintenant, je crois que c'est la dernière, comme je vous dis. Il y a toute une liste maintenant, mais la fête est commencée. Et pour aujourd'hui, on va mettre fin. Première église baptiste de Port-au-Prince, décerne honneur et mérite au révérend Luders Peraz et Madame Lénine Antoine Peraz pour leur courage, leur consécration, leur fidélité, leur persévérance, leur sagesse et leur zèle dans la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ. Merci. Maintenant, c'est pas moi qui dis nous, encore une fois, je répète, il y a une liste manquante et la fête est faite commencer, mais aussi, ça là, c'est certificat, diplôme dans ma vie qui est établi, chef d'église là. Comment chef d'église là, l'église? Jésus-Christ. Encore une fois, mes frères et mes sœurs, bon courage dans le Seigneur, vous avez fait du bon travail et je répète, à votre occasion, à votre édification. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Saint. Nous, notre devoir, c'est d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, écrivent des promesses. Encore une fois, bon courage et bonne persévérance dans le Seigneur. Amen. Alors que les invitants reprennent leur place, je vous donne ces annonces avant de terminer le culte du jour. Je rappelle que l'Association des Dames de l'Église, l'Association de la Jeunesse informe que sa retraite annuelle aura lieu sur la côte sud et du pays pour cette année. Donc, passez donc pour les communications nécessaires, s'il vous plaît. Et je rappelle aussi que l'Association des Dames rappelle à ses membres la réunion de prière qui aura lieu le premier samedi du mois de février 2014 à 8h30 du matin à 2h de l'après-midi et pour le groupe en fait, en leur local habituel. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de la petite Diamenda Sinclair, survenue à l'hôpital La Paix, Delma 33, le 21 janvier 2014, à l'âge de 11 ans et 10 mois. Les funérailles de la regrettée Diamenda Sinclair auront lieu à la première église baptiste de Port-au-Prince le mardi 28 janvier 2014 à 7h du matin et le cadavre sera exposé dès 6h. Je rappelle que la défunte était la fille de notre bien-aimé frère Lucien Sinclair, le concierge de l'église. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de frère Yves-Joseph Roland Derville, survenu à l'hôpital d'Hernameuse, Port-au-Prince, le 23 janvier 2014, à l'âge de 69 ans. Les funérailles du regretté frère Yves-Joseph Roland Derville auront lieu à la première église baptiste de Port-au-Prince le jeudi 6 février 2014 à 7h30 du matin
et le cadavre sera exposé dès 6h30. Là, le défunt était membre de l'Église. Je crois que mes frères et mes sœurs en Christ, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus-Christ vient là. Et comme peut-être nous devons travailler, nous disons ensemble, Maranatha, Christ revient, Christ en nom de l'espérance, de la gloire, et en imitant ceux qui font la foi, certainement, et la persévérance, ont hérité des promesses. Nous allons clôturer le service du jour. Je vais remercier, avant de chanter, le personnel de la radio 80H au Cap-Haïtien, et en particulier notre frère Wotley, qui a voyagé sur l'ordre de la direction générale hier après-midi pour nous retrouver et retransmettre nos deux cultes d'anniversaire. Nous remercions aussi le pasteur Emmanuel Nordestin de la radio d'investigation FFF qui a mis la radio à la disposition de la première église baptiste de Port-au-Prince pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et je vous rappelle que là où vous vous trouvez, vous pouvez aller sur www.christiration.org et vous trouverez certainement nos services enregistrés et vous pouvez les suivre. Pour la 4VEH, c'est radio 4VEH-ORG. Et aussi, nous remercions la Radio Lumière et à travers notre frère, notre ami Meyer, qui est là et ce matin avec nous, notre frère Bibi, et tout le personnel de la Radio Lumière, l'administration, la direction générale, bien que Dieu vous bénisse tous en abondance. Nous voulons travailler avec vous, nous voulons continuer à travailler pour la gloire de Dieu. Merci pour le geste manifesté à la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous voulons remercier chacun de vous, mes frères et mes sœurs de la foi, les membres des chorales, les maestros, les techniciens, chacun de vous, nos frères et nos sœurs qui ont travaillé. Mais en particulier, je veux attirer votre attention sur les fleurs de l'Église. Nous profitons de cette occasion pour saluer notre sœur Wazenbeck qui a offert cette fleur à l'Église, pour décorer l'Église en cette occasion. Notre sœur Wazenbeck, elle est là de l'Assemblée, parce que nous voulons faire la foi. Voilà la sœur qui a fait la proposition, qui a fait cadeau des fleurs à l'Église. Mais nous voulons aussi demander à la chorale Jeunesse Triomphante de bien vouloir se lever aussi, parce qu'elle a offert un bouquet à l'Église. La chorale ne vient pas seulement chanter, mais la chorale se fait précéder par un bouquet de fleurs pour l'Église. Nous voulons dire merci et à tous ceux certainement qui ont contribué pour que nous ayons des fleurs. Parce que la maison du Seigneur doit être belle. Dieu est splendeur. Dieu est beauté et excellent. Donc, encore une fois, que Dieu vous bénisse tous en abondance. Non seulement vous avez chanté, mais vous nous avez donné un bouquet d'anniversaire. Le Seigneur sait comment vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, si nous t'appuyons, remercier, nous-mêmes nous t'appuyons, parce que vous connaissez moi, nous coûte, mais vous direz, nous nous t'appuyons. Et c'est lui qui a fait pour nous bénédiction. Je vous invite donc, mes frères et mes soeurs de la foi, à vous lever pour recevoir la bénédiction. Mais seulement, je vous engage au travail en disant travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers. Un seul verset de ce qu'on dit, et nous prononçons la bénédiction. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Amen.
celui qui veut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, immortalité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen.